Mes chers collègues, je propose de commencer. Nous avons le plaisir d'entendre cet après-midi des représentants d'Engie sur le projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergie renouvelable. Je souhaite donc la bienvenue à Madame Claire Vézan, directrice générale et secrétaire générale d'Engie, ainsi que William Arkwright, directeur général d'Engie Green, qui sont accompagnés de Julien Miro, directeur des affaires parlementaires. Madame, Messieurs, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation à cette audition. Je rappelle que notre commission a déjà eu l'occasion de recueillir les analyses de professionnels du secteur sur le projet de loi lors d'une table ronde réunissant l'Union française de l'électricité, l'Association française du gaz et le syndicat des énergies renouvelables. Après avoir entendu EDF Renouvelables la semaine dernière, votre audition et pour nous l'occasion d'approfondir ces échanges avec Engie, qui est évidemment un acteur très important. Vous le savez, notre commission sera pleinement investie sur le projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergie renouvelable, puisqu'elle aura en examiné plus de la moitié des articles. Nous avons d'ores et déjà
travailler au sein de notre commission sur la question de l'acceptabilité du déploiement des ENR, qui nous apparaît être une problématique importante. Permettez-moi de saluer votre engagement, chers collègues, à la fois sur cette commission, cette mission, ces auditions, mais aussi sur notre commission hors les murs, qui a permis justement d'aller ensemble sur le terrain pour mieux comprendre les spécificités locales. On le sait, tout ne fait pas consensus dans les territoires, et nous l'avons vu notamment lors de cette commission hors les murs, même si chacun s'accorde sur la nécessité de diversifier notre mix énergétique en renforçant le recours aux renouvelables pour tenir nos objectifs climatiques. Nous aurons à travailler sur un texte que le Sénat a remanié sur certains points et aussi enrichi, puisqu'il est passé de 20 à 93 articles. Nous sommes évidemment très preneurs de vos analyses sur ce projet de loi. Il doit parvenir à un délicat équilibre entre les exigences de la démocratie environnementale, la protection de la biodiversité et l'efficacité opérationnelle de projets énergétiques et industriels. Ces enjeux ne sont pas antinomiques. Loin de là, garantir une bonne concertation et bien entendu une participation en amont, c'est favoriser l'acceptabilité des projets et renforcer l'adhésion. Madame, messieurs, jusqu'où peut-on aller dans cette simplification en préservant cette exigence? En tant qu'acteur du secteur, considérez-vous que le projet de loi constitue une avancée et identifiez-vous des points à compléter ou à modifier? Madame, messieurs, je vous cède la parole, puis nous en viendrons aux orateurs des groupes. Je vous en prie. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, nous sommes très heureux avec William et accompagnés par Julien d'être avec vous cet après-midi pour un projet de loi qui est très important. Alors, laissez-moi commencer par quelques mots sur le groupe Engie et notre présence dans les renouvelables, et puis ensuite vous dire pourquoi il faut réussir à accélérer les ENR et comment. Alors, quelques mots d'abord sur le groupe Engie. Le groupe Engie, comme vous le savez, a un historique qui est un historique gazier, puisqu'à l'origine, Engie est formé du rapprochement de Gaz de France et de Suez en 2008. Donc, historique gazier et décision, il y a quelques années, de se tourner complètement vers la transition énergétique. Pourquoi? Nous sommes convaincus que l'énergie a un rôle absolument majeur à jouer dans la lutte contre le changement climatique, et nous sommes convaincus comme entreprise que c'est en s'inscrivant pleinement dans cette ambition de lutte contre le changement climatique que nous aurons une activité durable et qui contribue positivement non seulement à la performance, mais aussi aux personnes et à la planète. C'est inscrit au cœur de la raison d'être du groupe Engie. Alors, s'inscrire dans la transition énergétique, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord des engagements pour notre activité. Nous avons un engagement de neutralité sur l'ensemble, neutralité carbone sur l'ensemble de nos activités d'ici 2045. Ça veut dire aussi, ça n'est pas l'objet aujourd'hui, mais ça veut dire aussi contribuer à la décarbonation de nos clients, que ce soit des entreprises ou des collectivités locales. Nous sommes à ce titre très présents aussi dans les territoires, aux côtés des collectivités, pour les aider à se décarboner. Alors, si j'en viens à l'activité de production de renouvelables, nous sommes donc producteurs d'électricité renouvelable, nous sommes aussi producteurs de gaz renouvelable. Nous sommes même le premier producteur d'électricité renouvelable d'origine photovoltaïque et d'origine éolienne en France. Et nous sommes le deuxième en matière d'hydroélectricité derrière EDF, bien sûr. Nous avons, je serais incomplète si je ne précisais pas aussi qu'en matière d'électricité renouvelable, nous avons une filiale conjointe avec l'énergéticien portugais qui s'appelle EDPR, filiale qui développe spécifiquement l'éolien en mer, qui s'appelle Ocean Wind. Donc, ceci pour l'électricité renouvelable. Nous avons par ailleurs une présence importante dans les gaz renouvelables, puisque nous pensons que la transition énergétique, cela passe par de l'efficacité énergétique, de la sobriété et par le verdissement de l'ensemble des énergies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'électrification d'un certain nombre d'usages, mais ça veut dire aussi
on le voit tous les jours, que les gaz vont rester nécessaires, notamment pour des usages de type mobilité lourde, de type industriel, mais ces gaz doivent se verdir. Donc nous avons une activité importante en matière de méthanisation, donc production de biométhane, en partie en direct, en partie bien sûr en raccordant des installations existantes, puisque beaucoup de la production de biométhane se fait de manière très, très locale dans des unités agricoles. Et nous sommes aussi très, très actifs dans des projets d'hydrogène renouvelable, convaincus que la molécule d'hydrogène aura un rôle majeur à jouer dans la transition énergétique. Alors ça, ce sont l'ensemble de nos activités. Si on parle de chiffres, notre ambition, c'est d'avoir 50 gigawatts installés d'ici 2025. Nous étions en début d'année à 34, hein, donc de passer à 50 d'ici 2025 et 80 d'ici 2030. Donc ceux-ci sont des chiffres d'ambition globale, hein, mondiale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des investissements qui sont aujourd'hui de l'ordre de 2 milliards d'euros par an sur les renouvelables, qui vont passer à 3 milliards en 2024, dont une part significative en France. Et bien sûr, pour rendre crédible cette ambition, nous nous appuyons sur un pipeline de projets. Pipeline de projets qui est aujourd'hui de 27 gigawatts en Europe, 71 gigawatts dans le monde. Alors ça, c'est l'activité du groupe, donc acteur majeur dans l'ensemble des énergies renouvelables. Pourquoi nous pensons qu'il est aujourd'hui crucial d'accélérer le développement des énergies renouvelables? Je crois que la réponse est très simple et elle est double. La première des réponses, c'est la crise énergétique. La deuxième des réponses, c'est évidemment la lutte contre le changement climatique. Alors, je ne reviens pas sur la deuxième, c'est une évidence, et c'est la manière d'assurer cette neutralité carbone. La crise énergétique, passons un peu de temps sur ce sujet-là, qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Eh bien, elle nous enseigne d'abord l'importance cruciale de l'énergie. Enfin, je pense que dans la commission du développement durable, on en est convaincu, mais l'énergie est au cœur des dépenses des ménages, elle est aussi au cœur des processus de production. Donc avoir une énergie dont la sécurité d'approvisionnement est assurée et avoir une énergie au meilleur coût, et j'ajoute avoir une énergie qui se décarbone, c'est évidemment vital. Cette énergie, elle doit être le plus possible provenant de sources suffisamment diversifiées. C'est aussi un des enseignements de cette crise énergétique. Et à vrai dire, quand vous regardez l'ensemble des pays européens, quel que soit la source d'énergie dominante, on voit bien qu'avoir un mix énergétique insuffisamment diversifié expose à des vulnérabilités particulières. Voilà. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui est crucial? C'est d'assurer la sécurité d'approvisionnement du pays dans les prochaines années, en électricité et aussi en gaz, dans une situation dans laquelle, pour le gaz, nous avons un partenaire russe dont la fiabilité a été remise en question cette année. Donc nous avons, comme vous savez, aujourd'hui une part de l'approvisionnement de gaz russe qui était de 17% pour la France, qui s'est réduite comme peau de chagrin. Ça veut dire qu'il va falloir trouver de manière durable des sources de remplacement. Et ça tombe bien, le biométhane est une source potentielle de remplacement. Le biométhane qui est produit dans les territoires, c'est un gaz qui est la même molécule que celle du gaz importé, par exemple, de Russie, CH4. Et aujourd'hui, ce biométhane, il a la capacité en volume de remplacer le gaz russe à horizon 2030. Donc, en matière de gaz, le biométhane a un rôle majeur à jouer pour cette diversification et pour réduire la vulnérabilité du pays. En matière d'électricité, on est dans une situation dans laquelle les usages sont en train de s'électrifier pour un certain nombre. Il n'est que de voir, par exemple, le véhicule électrique face à une situation dans laquelle, quels que soient les choix que fait le pays en matière de nucléaire, le parc existant va être celui qui va être avec nous jusqu'en 2035. C'est un parc existant dont l'âge est en train d'augmenter. Nous sommes nous-mêmes exploitants nucléaires en Belgique, donc nous connaissons la difficulté d'exploiter des centrales qui vieillissent. Nous espérons tous qu'elles vont être le plus disponibles possible, mais ce qui est certain, c'est que d'ici 2035, il n'y en aura pas de nouvelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut augmenter l'offre en matière d'électricité, ceci doit passer par les énergies renouvelables électriques.
C'est donc absolument un impératif pour le pays, pour restaurer un équilibre offre-demande satisfaisant, a fortiori dans une situation où l'électrification est croissante, d'accélérer aujourd'hui les énergies électriques renouvelables. Voilà. Alors, une fois que j'ai dit ça, ce projet de loi s'y attelle. Et un mot pour dire que, de manière générale, nous trouvons bien sûr très positif que le gouvernement travaille aujourd'hui et propose aujourd'hui aux assemblées de travailler sur un projet de loi d'accélération des renouvelables, tout en ayant en tête, et c'est important aussi que le législateur l'ait en tête, que ce qui sera dans la loi sera très important, la mise en œuvre de la loi le sera au moins tout autant. De ce point de vue-là, au-delà de ce qui va être voté, je pense qu'il vous appartiendra, pour faire vivre aussi la démocratie, de vous assurer de la bonne mise en œuvre des lois, et que de ce point de vue-là, les choses se passent dans les territoires, en s'assurant que l'État se dote des moyens nécessaires, je pense, dans ses services déconcentrés, en particulier pour accélérer les autorisations de permis, en s'assurant aussi que les raccordements se passent à un bon rythme. Bref, que tout ce qui n'est pas de l'ordre législatif, mais de l'ordre de la mise en œuvre, permet en effet de tenir un rythme de déploiement des renouvelables qui est satisfaisant. Donc, la loi est importante, sa mise en œuvre sera importante aussi. Dans la loi, il faut bien sûr veiller à un équilibre, et vous l'avez dit, Monsieur le Président, et nous sommes convaincus qu'il est tout à fait possible de développer des énergies renouvelables de manière à la fois respectueuse de la biodiversité et de manière également appropriée par les territoires. Appropriée par les territoires, ça veut dire pas seulement accepter, ça veut dire aussi, et nous le voyons dans certains cas, que les énergies renouvelables peuvent être source de fierté et d'activité d'emploi aussi pour les territoires. C'est quelque chose qui est important et c'est dans cet esprit que nous cherchons à travailler chez Engie et que nous avons développé un label avec le Bureau Veritas, qui est un label pour attester de la qualité, aussi bien en matière de respect de l'environnement que d'appropriation par les territoires et donc d'association des parties prenantes, label de développement des énergies renouvelables. Donc nous sommes convaincus que ceci est possible et que c'est comme ça que nous rendrons la transition énergétique non seulement acceptée, mais souhaitable pour l'ensemble de nos concitoyens. Voilà. Alors une fois que j'ai dit ça, je vois que j'arrive au bout de mes 10 minutes et vous avez ce chronomètre. Je ne suis pas du tout entrée à ce stade dans les différents points de la loi, simplement pour vous dire, globalement, la loi va dans le bon sens et si vous le voulez, nous pouvons rentrer dans les différents aspects de la loi après un premier tour d'échange. Merci à vous pour votre propos liminaire et merci d'avoir respecté les 10 minutes. Je fais assez confiance à vous, collègues, pour vous poser un certain nombre de questions sur la loi et de pouvoir développer un peu plus dans le détail. Nous en venons donc à nos orateurs de groupe. Pour le groupe Renaissance, la parole est à Philippe Guillemard. Merci Monsieur le Président, mesdames, messieurs les représentants d'Engie, pardon, chers collègues. Il n'y a pas de production industrielle stable s'il n'y a pas une énergie stable aux prix les plus compétitifs. Il n'y a pas de transition énergétique et climatique s'il n'y a pas une décarbonation de l'énergie produite, en particulier notre électricité. Il n'y a pas de vraie souveraineté s'il n'y a pas des choix que la nation peut porter et tenir en matière d'énergie. Ces mots prononcés par le président à Belfort le 10 février 2022 définissent le cap fixé pour 2050, multiplier la production d'énergie solaire et déployer les parcs éoliens terrestres et maritimes. Le projet de loi visant à accélérer la production d'énergie renouvelable est le premier pilier de la mise en œuvre de la stratégie énergétique de la France qui permettra par la suite l'élaboration de la programmation pluriannuelle de l'énergie 2024-2033. Ce texte est essentiel dans la mesure où il permet de renforcer la souveraineté énergétique de la France et de lever les freins au développement des énergies renouvelables. Ses apports sont multiples afin de faire rattraper à la France son retard en la matière et accélérer les projets d'énergie renouvelable, massifier le recours aux photovoltaïques et mieux partager la valeur générée par les énergies renouvelables. En première lecture, les sénateurs ont modifié de façon importante le projet de loi avant de le voter à la quasi-unanimité.
Parmi les apports majeurs de ce texte, un dispositif global de planification territoriale du déploiement des énergies renouvelables et de production d'hydrogène renouvelable ou bas carbone. De nombreuses autres modifications ont été introduites par le Sénat, notamment un guichet unique pour l'instruction des projets d'énergie renouvelable ou encore un fonds de garantie pour couvrir les risques contentieux des porteurs de projets ou encore l'ouverture de l'éco-prêt à taux zéro pour les travaux d'installation de panneaux solaires. Mesdames et messieurs les représentants d'Engie, estimez-vous à ce stade que ce projet de loi va assez loin eu égard aux enjeux climatiques que nous connaissons? Quel regard et quelles critiques portez-vous sur ce texte et ses avancées au Sénat notamment? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Pour le groupe Rassemblement National, la parole est à Nicolas Dragon. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues, mesdames, messieurs les représentants d'Engie. Le groupe Engie est un fleuron industriel et énergétique français qui rayonne à l'international. Il contribue pleinement à sécuriser l'approvisionnement en gaz de nos entreprises et de nos compatriotes, notamment dans la crise actuelle. C'est aussi, hélas, un groupe en pleine restructuration qui paye les inconséquences d'un État actionnaire mais non stratège qui subit de plein fouet la concurrence européenne. Nous avions avec l'ex-GDF une entreprise florissante. L'idéologie du libre-échange et de la destruction des monopoles naturels l'ont lourdement impacté. Pour redresser la barre, votre groupe entend se recentrer sur son cœur de métier avec deux piliers, le gaz naturel et les énergies renouvelables ENR. Le groupe Rassemblement National est ravi d'entendre vos ambitions pour développer ce secteur d'avenir des ENR face aux défis du réchauffement climatique. Nous soutenons les projets de décarbonation de notre énergie tant qu'ils ne nuisent pas à nos populations. J'insiste, sans nuire à nos populations. C'est pourquoi nous sommes fermement opposés à l'implantation d'éoliennes qui détruisent nos paysages, désormais nos littoraux, font chuter les valeurs foncières et immobilières des habitants et créent une intermittence énergétique inacceptable dans un pays comme le nôtre, qui répondait pleinement, il fut un temps, à nos besoins en énergie. Nos compatriotes ruraux et leurs maires sont impuissants face aux décisions d'acteurs de l'éolien. C'est un véritable déni de démocratie. En revanche, nous saluons vos efforts pour développer d'autres ENR. À cette fin, nous serions ravis de vous entendre sur le développement du biogaz, particulièrement intéressant pour nos agriculteurs. Efforts également sur la géothermie, avec vos filiales Engie Bios et Storengie. Pouvez-vous nous présenter vos ambitions, s'il vous plaît? Je vous remercie. Pour le groupe Les Républicains, la parole est à Emmanuel Maquet. Merci, Monsieur le Président, Madame la Directrice et Messieurs les Directeurs. Le groupe Engie a l'ambition d'atteindre 80 gigawatts de puissance renouvelable installée en 2030 et mise pour cela fortement sur l'éolien en mer. Le projet que vous portez chez moi, au large du Tréport et de Mers-les-Bains, connaît, vous le savez, des difficultés à se concrétiser en raison notamment de multiples recours et du refus de tous les acteurs, que ce soit les collectivités locales, le monde de la pêche ou encore les riverains. Interrogée sur le sujet dans l'hémicycle en janvier 2021, la ministre de la Transition écologique à l'époque, Barbara Pompili, avait même reconnu que des erreurs avaient été commises et que ce projet, je cite, était le symbole de ce qu'il n'y fallait pas faire. Que pensez-vous donc, par exemple, d'introduire dans le projet de loi sur les ENR que nous examinons dans la semaine à venir une plus grande concertation préalable des acteurs locaux, que ce soit les élus ou les acteurs du littoral via le Conseil national de la mer et des littoraux ou bien encore les comités régionaux des pêches? L'introduction d'un avis conforme de ces acteurs ne serait-il pas une sécurité supplémentaire pour les porteurs de projets? Le gouvernement, qui a d'abord rejeté toute idée de ce type en arguant que cela découragerait les acteurs de la filière, serait susceptible, nous dit-on, de se rallier à un seuil de 12 000 marins qui marque la limite des eaux territoriales pour l'implantation des éoliennes en mer. Cette distance vous paraît-elle pertinente? Engie est pionnière en matière de l'éolien flottant avec une ferme pilote qui doit voir le jour en Méditerranée. La technologie est d'ailleurs déjà à l'œuvre au large des côtes écossaises ou norvégiennes et la Chine a le projet très ambitieux d'un parc de 43 gigawatts qui se situerait entre 75 et 185 km au large des côtes de Shuangzhou. Il semble aussi possible techniquement d'associer l'éolien flottant à l'hydrogène, ce qui permettrait donc de récupérer l'énergie produite directement au pied des mâts et d'épargner par ainsi le déploiement onéreux d'ouvrages de raccordement et de transformateurs géants sur le littoral, toujours traumatisant pour nos paysages. Le projet de loi que nous examinons a vocation à tracer un chemin pour les
30 prochaines années, pas à valider des mesures de circonstance pour les prochains mois. On veut nous pousser à tout prix à miser sur l'éolien posé, mais le risque est grand que cette technologie ne soit rapidement dépassée. Question, dans quel délai l'éolien flottant pourra-t-il être exploité selon vous en France ? Merci, cher collègue. Pour le groupe démocrate, Modem et indépendant, alors la parole était à Bruno Millienne, je ne le vois pas. Pour le groupe socialiste et apparenté, la parole est à Gérard Leseul. Merci, monsieur le président. Messieurs les directeurs, madame la directrice générale, merci de votre présentation. J'ai plusieurs questions à vous poser. Alors, l'un des enjeux de cette loi ENR est de parvenir à déployer des énergies renouvelables sans les concentrer seulement dans certaines régions, comme c'est le cas actuellement pour l'éolien dans les Hauts-de-France et le Grand Est, ce qui est cohérent dans une logique purement économique, ne l'est pas en revanche dans une logique de péréquation territoriale. De votre point de vue, est-ce que le projet de loi en l'état prévoit selon vous suffisamment de dispositifs pour garantir que chaque territoire participera dans une logique d'équité selon ses moyens à la transition énergétique ? Engie a une grande expérience dans le développement des énergies renouvelables à l'étranger, y compris hors du cadre de l'Union européenne. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques que vous avez pu observer à l'étranger qui vaudraient la peine d'être importées dans notre cadre législatif ? Et vous venez de nous déclarer tout à l'heure que vous étiez à 2 milliards d'investissements par an jusqu'à présent. Vous passez à 3 milliards. Est-ce que vous pouvez nous donner la répartition France et hors France, s'il vous plaît, de ces investissements ? Par ailleurs, les ONG estime que le photovoltaïque sur le bâti et l'éolien sont des priorités, mais qu'elles ne sont pas assez soutenues dans cette loi, en particulier l'éolien terrestre. S'agit-il également de vos priorités ? Partagez-vous cette analyse ? De la même manière, les ONG estimez que le texte comportait des reculs du droit de l'environnement, notamment concernant le raccourcissement des délais de recours. Est-ce une nécessité à vos yeux pour accélérer le développement des ENR ? Par ailleurs, vous êtes deuxième producteur d'électricité en France, vous nous l'avez dit tout à l'heure, et vous mettez notamment en avant la production électrique issue d'un mix énergétique. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur les critères que vous appliquez dans vos choix de financement de projets ? Je pense à la question des filières industrielles en France, notamment pour l'éolien offshore, où la bataille n'est pas perdue, contrairement peut-être à ce qu'elle est aujourd'hui sur les panneaux photovoltaïques. Et puis, fixez-vous des exemples, des clauses de production locale française des ENR dans les projets que vous financez. Je vous remercie. Merci, cher collègue. Pour le groupe Horizon et Apparenté, la parole est à Vincent Thiébaut. Oui, merci, monsieur le président. Merci, Madame la Directrice Générale, pour vos propos et d'intervenir ici au sein de notre commission. Comme nous le savons, Engie sera dans les prochaines années un acteur clé de notre transition écologique. En 2017, déjà, Isabelle Cochère, ancienne directrice générale, déclarait progressivement « Nous allons verdir le gaz de sorte qu'à l'horizon 2050, il puisse en être à 100% vert ». Où en êtes-vous par rapport à ces objectifs ? Et pourtant, malgré cette volonté qui est commune, notre pays, comme vous le savez, est en retard. En retard sur nos objectifs nationaux et européens, en retard sur le déploiement des énergies renouvelables. Alors, je ne vais pas vous interroger sur les éoliennes en mer, parce que je suis convaincu qu'à la place des éoliennes en mer, ils préféraient avoir des centrales nucléaires sur leur littoral. Il n'y a pas de doute que la satellite serait d'autant plus forte. Toutefois, je voudrais, moi, vous interroger sur le PGL que nous allons aborder aujourd'hui, notamment sur l'accélération des procédures prévues par le texte de loi qui devra nous permettre de sécuriser nos approvisionnements, d'assurer notre souveraineté énergétique et de porter les projets à travers de nos territoires. Et particulièrement sur le sujet de la méthanisation, comme vous le savez, qui est un élément fort pour la transition énergétique. Sur le sujet de la méthanisation, je voudrais vous interroger à plusieurs titres. Déjà, est-ce que vous pouvez nous parler du projet Goya et de la stratégie que vous avez dans le cadre de la méthanisation en France. Et d'autre part, je voudrais vous interroger aussi sur votre vision sur le partage de la valeur, et notamment vis-à-vis de notre territoire, sur la consommation locale. Puisque souvent, sur notre territoire, on a la sensation de la double peine, comme vous le savez. D'une part, de subir de plein fouet la montée des prix énergétiques, puisque c'est dans notre territoire où on a besoin le plus de se déplacer. Je parle de territoires ruraux, pour être tout à fait précis. On a besoin de se déplacer. C'est là où on consomme le plus de fuel aussi pour se chauffer, puisqu'on n'a pas forcément de réseau gaz à proximité. Et on a aussi la sensation de subir, entre guillemets, ce sujet de problématique d'accessibilité des énergies renouvelables et des gros projets, d'où l'intérêt effectivement d'un partage de la valeur forte et potentiellement de pouvoir mettre en place de la consommation locale. Merci pour vos propos. Merci, cher collègue.
Nous attendions cette prise de parole ce matin, elle arrive cet après-midi. Pour le groupe Gauche démocrate et républicaine, la parole est à Hubert Villefranc. Merci Monsieur le Président. Madame la Directrice Générale, je vous propose une étude de cas. Votre projet Oriseo dans les Landes de Gascogne, rassurez-vous, je ne suis pas élu du secteur, mais c'est un... Donc vous portez avec Neoen une centrale photovoltaïque qui serait la plus grande d'Europe, nous dit-on, d'ici 2026, 1000 hectares pris sur la forêt, une vaste parcelle donc louée à un privé pour au moins 40 ans. Une installation visiblement opportunément raccordable au poste électrique majeur de Sossa, à 3 km du lieu. Mais n'est-ce pas un non-sens de sacrifier 1000 hectares d'une forêt exploitée, de s'y engager sans mesurer jusqu'à présent les incidences sur un parc forestier très sensible aux incendies, on l'a vu cet été, sans mesurer visiblement les incidences du défrichement et les risques d'inondation sur une climatologie très particulière. D'ailleurs, vous pilotez de nouvelles expertises qui vous ont été demandées à l'issue du débat public. Et pour nous, c'est relativement délicat que le porteur de projet pilote lui-même les expertises en question. Enfin, face à un projet majeur qui suscite, vous le savez, un contre-argumentaire sévère d'un certain nombre de citoyens, comment peut-on interpréter les commentaires des services de l'État, la préfecture de Gironde en particulier, qui vont devoir statuer sur le projet et qui indiquent publiquement que la loi ENR que nous allons examiner, je cite, est de nature à faciliter l'action des porteurs de projets. Dites-nous ce que ça va vous faciliter sur ce projet. Étude de cas. Pour le groupe Liberté, Indépendant, Outre-mer et Territoire, qui vont sans doute proposer une nouvelle étude de cas, je laisse la parole à Jean-Louis Bricou. Merci Monsieur le Président, merci aux représentants du groupe Engie. Votre groupe a fait effectivement le choix stratégique d'investir dans les énergies renouvelables. Votre mix énergétique, je crois, compose à peu près de 60% de NR. C'est une énergie diversifiée, co-responsable et produite localement. Je veux dire, c'est tout à votre honneur. Pour autant, la France accuse un retard qui est quand même plus ou moins important. Le groupe Lyot donc souhaite d'abord savoir si votre engagement à rattraper ce retard était en fin de compte à la hauteur des enjeux qu'on pourrait nous attendre. Et qu'attendez-vous de l'État pour vous faciliter en fin de compte la mise en œuvre de vos ambitions? Pour autant, les solutions déployées font l'objet de difficultés, hein, c'était largement rappelé, d'acceptabilité qui est même croissante. Pour ne prendre que l'exemple de l'éolien terrestre, hein, c'était rappelé aussi, la région des Hauts-de-France compte environ 30% de mâts installés. Les territoires, tout simplement, les élus, les habitants ont besoin, je crois, d'être associés et je dirais même respectés. Quelles solutions proposez-vous pour parvenir donc à un développement harmonieux et concerté des implantations d'énergie renouvelable? Une question qui rejoint celle de mon collègue. Êtes-vous prêt aussi à partager quelques bénéfices avec les usagers incommodés quelque part par vos installations? Concernant l'énergie solaire, je souhaite connaître aussi votre positionnement sur l'agrivoltaïsme. Quel fonctionnement avec le propriétaire ou l'exploitant foncier? En fait, quel modèle économique pour justement éviter rentrer dans les écueils et éviter l'envolée du foncier? Chaque solution devait être adaptée également au territoire, à la réalité des territoires. L'hydrogène vert pourrait être, quant à lui, une formidable opportunité pour ceux qui connaissent ces grandes périodes d'ensoleillement et notamment nos amis des Outre-mer. Quelle est votre stratégie de déploiement pour cette énergie innovante? Quelle place pour les Outre-mer? Puis une dernière question annexe qui concerne moins la production, mais plus la sobriété. Sur l'arrêté concernant la consommation en heure creuse méridienne, la période de test semble prometteuse. On a entendu quelques chiffres. Confirmez-vous? Et vos clients ont été un peu perturbés dans leurs usages. Comment pensez-vous conforter, en fin de compte, l'information aux usagers? Merci, chers collègues. L'ensemble des orateurs de groupe ont pu s'exprimer. Je vous laisse le soin de répondre. Prenez le temps nécessaire de sorte à ce que chaque collègue puisse avoir ses éléments de réponse. Tout ça pour vous dire que vous n'êtes pas limité à 10 minutes. Ouais. Bon, ben voilà. Nous voilà très rassurés parce qu'effectivement, les questions ont été nombreuses.
et vont nous permettre, je pense, de couvrir beaucoup des points qui sont les points évidemment d'intérêt et les points aussi importants pour ce projet de loi. Alors, peut-être un mot d'abord sur les différentes énergies. On a beaucoup parlé, on a diversement parlé lors des questions, des énergies, certaines ayant l'air plus acceptables que d'autres dans l'esprit collectif. Alors, un mot global pour vous dire que l'éolien terrestre, c'est une nécessité. Quand on regarde les besoins de développement des énergies renouvelables dans le pays, et des énergies renouvelables électriques en particulier, vous l'avez dit, la France est en retard. Ces objectifs, nous n'y arriverons pas si nous nous limitons au photovoltaïque et à l'éolien en mer. D'accord ? Un mât d'éoliennes, c'est 10 à 15 000 panneaux solaires. Je dis ça pour fixer les grandeurs. Par ailleurs, les éoliennes, et vous le savez dans vos territoires, les éoliennes sont parfaitement compatibles, je me dirais de manière native, avec l'exploitation agricole. Une des caractéristiques des champs d'éoliennes, c'est que vous avez en général une exploitation agricole au pied de l'éolienne. La coactivité est absolument, absolument possible. Et l'emprise au sol est très réduite. Alors, on va revenir, bien sûr, sur l'éolien, mais je voulais partager ça pour commencer, parce qu'on est dans une situation dans laquelle il ne faut pas se mentir. Si on se dit que la France doit atteindre ses objectifs de décarbonation, cela passe par de l'éolien. J'entends parler du nucléaire. Cela peut passer aussi par des centrales nucléaires, mais simplement, dans les 15 prochaines années, il n'y aura pas de nouvelles centrales nucléaires. On est en train là d'avoir un projet de loi qui doit permettre d'accélérer le déploiement des capacités de production énergétique du pays pour les prochaines années. Ça passe par l'éolien, ça passe par l'ensemble des énergies. C'est un mot que je voulais partager. Alors, est-ce qu'aujourd'hui le projet de loi va assez loin? On va entrer, si vous le voulez bien, dans un certain nombre de, enfin, dans un peu plus de granularité sur le projet de loi. Notre sentiment, c'est, comme je l'ai dit, que c'est un pas dans la bonne direction, que sa mise en œuvre sera absolument déterminante, et puis qu'à ce stade, il y a un certain nombre de dispositions qui peuvent être complétées et d'autres qui sont de nature à ralentir le déploiement des énergies renouvelables. Je pense en particulier à la question de l'implantation locale. Je l'ai dit, nous sommes convaincus que l'implantation doit se faire de manière très appropriée et en dialogue avec les maires. Il nous semble, de ce point de vue-là, que l'esprit des discussions au Sénat et le compromis qui a été trouvé va dans la bonne direction. Il faudra s'assurer quand même que ce compromis reste praticable. Évitons des procédures qui rallongent les délais. On ne peut pas d'un côté regretter que la France soit en retard sur son déploiement d'énergie renouvelable et de l'autre mettre des cailloux sur le chemin. Donc attention aux procédures qui rajoutent les délais. Ça, c'est sur la question de l'appropriation. Et attention aux procédures qui rendent impossible le développement de certaines des énergies. Je pense qu'aujourd'hui, l'instauration d'une distance de 10 km autour des monuments historiques et des sites naturels remarquables, avec une nécessité pour les ABF d'avoir un avis conforme, cette disposition est une disposition qui, compte tenu de la richesse de notre territoire, peut nous amener à ralentir de manière dramatique le déploiement des énergies renouvelables. Voilà. Sur la question de l'appropriation, mais je vais peut-être laisser William compléter, puis ensuite on va passer aux différentes énergies, si vous le voulez bien. Mesdames et messieurs, c'était bon. Mesdames et messieurs, bonjour. Moi, je vous propose quelques faits dans le prolongement de ce que vient de dire Claire sur l'éolien terrestre. L'éolien terrestre aujourd'hui produit 35 TWh, les 19 gigawatts installés. Si on suit la PPE actuelle votée en 2018, c'est 35 de plus TWh à l'horizon de la fin de la décennie. On ne parle pas du développement de l'offshore, on ne parle pas du nouveau nucléaire. C'est nul et non avenu. On ne peut pas aller chercher plus de terawattheures électriques ailleurs.
La seule manière de le faire, c'est d'importer. Et c'est drôle, le chiffre de nos importations cette année, c'est 35 TWh. Donc soit on fait de l'éolien, soit on double nos importations. Et nos importations, quelle couleur climatique ont-elles ? L'éolien se substitue, c'est pas moi qui le dis, c'est Thomas Véringue d'RTE, à 55% à du carboné français et à 22% à du carboné européen et grandement allemand. Ne se substitue en rien au nucléaire français. Donc le choix, c'est importer du carboné ou accepter l'éolien terrestre. Je vous donne un autre chiffre de Thomas Véringue. À l'horizon de 2030, il nous faut 30 à 40 TWh de plus d'électricité produite en France pour couvrir la croissance moyenne de nos usages à venir, mobilité, smartphone, etc. etc. Où irons-nous les chercher ? Au-delà de la sobriété. Ça, c'était les premiers chiffres sur l'éolien pour vous dire qu'il est difficile de s'en passer et qu'il a un caractère parfaitement nécessaire. Il a été mentionné de nombreux points, je vais essayer de les couvrir les uns les autres. D'abord, une question de M. Guillemard. La loi va-t-elle assez loin dans son état post-sénatorial ? On a évité quelques choses trappes, comme le veto des maires, qui aurait pu être un vrai frein et pas une accélération. On a encore à éviter d'autres choses trappes, comme l'avis conforme des ABF, qui est une forme de veto déguisée, et nous nous sommes prêtés à l'exercice ou à une étude de cas, qui est de prendre, avec certains cartographes, l'ensemble des sites remarquables, monuments historiques et monuments inscrits en France, UNESCO ou national. Nous avons 99% du territoire qui serait impropice à l'éolien si nous faisions une telle mesure pour l'avis conforme des 160 ABF en France. À 10 km. Si nous mettons à 5 km, nous avons plus de 2 tiers du territoire français qui est impropice. Chers collègues, je pense que vous avez été nombreux à vous inscrire pour poser des questions. Vous aurez la parole dans un second temps. On laisse le soin à Angie de pouvoir répondre. Je vous remercie, Monsieur le Président. Chose trappe. Il y a quelques éléments dans une loi qui va véritablement dans le bon sens, pour vous répondre, Monsieur le député, il y a quelques éléments ou zones encore à éclaircir. La première, c'est cette affaire zone propice, zone prioritaire. Les deux sont concomitantes dans le texte, mais ne se parlent pas. Premièrement, les zones propices qui sont à l'article 1er, si je zoome sur elles, ne disent rien ou ne se recouvrent pas avec les autres régimes d'obligation. Radar militaire, Natura 2000, zones protégées, etc. etc. Et donc il serait intéressant de pouvoir croiser zones propices et autres régimes d'obligation zonale. Enfin, et il nous a été demandé, je crois de ce côté-là, de quoi pourrions-nous nous inspirer venus de l'étranger ? Ces zones propices répondent à des objectifs qui sont dits indicatifs. Or, il n'y a pas de déclinaison de l'objectif national au niveau régional, ni départemental, ni le plus local. Une inspiration venue d'Outre-Rhin pourrait être de décliner à une maille plus fine, dans le Land, en Allemagne, les objectifs de développement, c'est-à-dire délivrer des permis, des autorisations, aussi bien pour tous les ensembles de projets renouvelables. Ensuite, la loi, elle va dans le bon sens pour raccourcir les délais d'instruction. Mais comme l'a dit Claire, tout n'est pas dans la loi. Il y a eu des mesures d'urgence très salutaires au début de l'été. Il y a eu une circulaire triministérielle en date du 16 ou du 19 septembre. On trouve les deux occurrences. Qui mérite encore d'être appliquée et qui serait un véritable booster des énergies renouvelables en France. Il y a ensuite un projet de loi de finances qui va nous dire si les administrations vont pouvoir mettre les moyens. Car le vrai facteur d'accélération pour les hivers difficiles que nous avons à passer
dans les années à venir, ce sont tout autant les mesures prévues dans le sein du projet de loi de finances que les moyens mis en cour administrative d'appel, les moyens mis dans les DREAL, les moyens mis dans les préfectures pour instruire nos dossiers, etc., etc. Et j'en oublie pas un, c'est les moyens dévolus à Enedis et à RTE pour accélérer le raccordement. Vous me demanderiez quelle est la mesure, la seule, l'unique que vous retenez pour accélérer les renouvelables en France, le raccordement. Nous pouvons perdre jusqu'à 8-10 ans sur un projet car il n'y a pas de moyens suffisants pour les schémas régionaux de raccordement des ENR, mais également pour les projets spécifiquement. Est-ce que Claire, tu veux prendre le relais sur certaines questions ou est-ce que je poursuis ? Je prends le relais avec plaisir, William. Sur certaines des questions, une question qui a été posée sur l'éolien en mer et sur le projet du Tréport en particulier. Voilà. Donc sur l'éolien en mer a des très bonnes caractéristiques au sens où il a l'avantage, une éolienne en mer a l'avantage de bénéficier d'un régime de vent plus régulier, plus fort que sur Terre. Ça en fait donc une zone, et ça a été bien dit lors du discours de Belfort, mais ça en fait une zone particulièrement intéressante pour développer de l'éolien en mer. Une fois qu'on a dit ça, attention au délai. Enfin, est-ce que tout le monde a en tête dans cette salle que pour nos projets d'éolien en mer, entre le moment où le projet débute et le moment où nous espérons faire sortir un mât de mer, il se sera écoulé, si tout va bien, nous sommes encore à ce stade au niveau de recours devant le Conseil d'État, il se sera écoulé, si tout va bien, 11 ans. Comment peut-on parler d'accélération d'un côté et de l'autre, passer 11 ans à sortir un projet d'éolien en mer en France ? Il faut savoir qu'il n'y a pas de fatalité. Là encore, quelqu'un posait la question des expériences internationales dans d'autres. Dans d'autres pays, y compris en Europe, le de-risking, comme on dit en mauvais français, le fait d'identifier des zones prioritaires et qui sont de-risquées avant de faire appel à des porteurs de projets, ceci est pris en charge par la puissance publique et ça permet d'accélérer les choses, de-risquer des zones qui sont identifiées comme prioritaires. Aujourd'hui, projet de loi prévoit la possibilité de cartographier des zones. Ça va dans le bon sens, mais on peut imaginer aller encore plus loin et chercher à dérisquer ces zones. Plus les études peuvent être faites en amont et plus on peut s'assurer qu'on ne va pas se retrouver face à des recours qui sont faits par des associations locales et qui vont entraîner des délais qui sont ceux qu'on observe, plus on sera capable d'accélérer le déploiement des éoliennes en mer. La France s'est dotée d'une ambition qui est importante, 40 gigawatts à horizon 2050. Au Royaume-Uni, c'est 50 gigawatts. Nous avons déjà des éoliennes en mer qui sont actives au Royaume-Uni. On n'en a pas en France. 50 gigawatts, c'est quasiment la capacité installée des réacteurs nucléaires en France. Donc vous voyez qu'on est en train de parler de capacités de production qui ne sont pas des capacités de production anecdotiques, et avec des régimes de vent qui sont des régimes de vent, là encore, plus favorables, plus réguliers. Donc l'éolien en mer, très, très certainement, nous y croyons. Éolien en mer, la question a été posée de l'éolien flottant. Éolien en mer posé, éolien en mer flottant, les deux existent. Le degré de maturité des solutions n'est évidemment pas le même. Vous avez vu que l'éolien en mer flottant est à ce stade, au stade de petits projets. Nous-mêmes, nous avons un petit parc d'éoliennes en mer flottant au large du Portugal. On a des petits projets. Vous avez vu qu'une entreprise récemment a annoncé qu'elle arrêtait le développement d'un des projets d'éoliennes en mer flottant. On en est à un stade de maturité de la technologie qui n'est pas encore le même. Donc très certainement technologie qui peut être intéressante, mais de même qui est intéressante la technologie des éoliennes posées qui permettent dans un certain nombre de géographies d'avoir aujourd'hui déjà des capacités installées qui fournissent de l'électricité. On en a au Royaume-Uni, on en a en Belgique. Ce sont des solutions qui existent et on peut regretter qu'en France
le temps de développement de ces projets soit ce qu'il est. Ça freine évidemment notre capacité à développer rapidement des ENR en France. Alors, puisque j'ai la parole sur le, et pour laisser un petit peu William se reposer, je dis un mot sur le biogaz, dont ne s'occupe pas directement William. Donc le biogaz, nous y croyons beaucoup, hein, je l'ai dit dans mon propos liminaire. Le biogaz, ce sont d'abord à ce stade, donc c'est du biométhane de première génération. Première génération, ça veut dire quoi? Du biométhane qui est réalisé à partir de déchets agricoles dans des méthaniseurs. Donc je pense que les uns les autres, vous êtes sûrement familiers de ce que sont les méthaniseurs, hein, ces cuves souvent vertes avec cylindriques, avec un toit bombé. Chaque installation de méthaniseur, c'est quelques emplois dans les territoires. Et a été soulevée la question du retour pour les territoires, et notamment les territoires ruraux. Le biométhane est un bon exemple de création d'activités et d'emplois dans des chaînes courtes dans les territoires ruraux. Donc nous croyons beaucoup au biogaz. Nous avons été pionniers dans le développement du biométhane. Donc quelques chiffres, hein, puisque ça m'a été demandé. Nous avons aujourd'hui une énergie produite de 350 gigawatts par an, ce qui équivaut à la consommation de 25 000 foyers. Voilà. Nous avons une vingtaine d'unités en exploitation sur le territoire, ce qui représente 400 agriculteurs. Voilà. Donc sur le biométhane, comme je le disais, il y a du biométhane de première génération, c'est celui dont on a parlé. Il y a aussi du biométhane de deuxième génération, et je crois que l'un d'entre vous a parlé du projet Gaïa. Donc Gaïa est un projet de biométhane de deuxième génération. Ça veut dire quoi? C'est du biométhane qui lui est obtenu à partir d'une combustion, on dit pyrogazéification, de déchets qui ne sont pas nécessairement des déchets agricoles. Ça peut être des combustibles solides de récupération. Donc ce projet Gaïa, il existe sous forme de prototype près de Lyon. Et il a été déployé par Engie. C'est un projet dont nous sommes très fiers en termes de nouvelles technologies. Il est d'ailleurs très regardé, y compris à l'étranger. Et nous avons en tête que sur ce projet, nous pouvons aujourd'hui déployer à l'échelle industrielle un projet que nous avons au Havre. Ce projet s'appelle Salamandre. C'est un projet de biométhane de deuxième génération que nous espérons pouvoir développer au Havre. J'ajoute que ce projet au Havre, nous avons comme idée de le coupler, il produira du CO2, nous avons comme idée de le coupler avec un projet qui s'appelle Kérosène, qui est un projet de fabrication de combustible pour l'aviation, hein, Sustainable Aviation Fuel, à partir d'hydrogène bas carbone et de CO2 qui serait produit par ce projet. Donc il y a en plus une logique, il y a une logique de territoire, il y a une logique d'intégration et il y a une logique de décarbonation vraiment intégrée. C'est tout à fait dans l'esprit de ce qui a été annoncé la semaine dernière sur la capacité à identifier les zones polluantes et à développer des projets de décarbonation dans ces zones polluantes. Donc nous pensons que notre production de biométhane de deuxième génération peut y contribuer. Et je vous remercie de m'avoir permis d'en parler. Alors, du coup, d'ailleurs, nous avons... c'est un des points, ça me permet aussi de refaire le lien avec la loi. Hein, c'est un des points sur lequel nous avons le sentiment que la loi pourrait utilement évoluer. En particulier, pour élargir le droit d'injection qui existe aujourd'hui pour le biométhane et pour élargir ce droit aux autres gaz d'origine renouvelable et en particulier donc le biométhane de deuxième génération et demain l'hydrogène renouvelable. Donc ça, élargir ce droit d'injection aux autres gaz renouvelables, c'est une manière de reconnaître la place des gaz renouvelables et de prévoir la capacité demain à les injecter dans le réseau. Voilà. De même, il existe aujourd'hui des zonages qui permettent de faciliter les raccordements des projets de biométhane. Le concept de ces zonages pourrait, là aussi, être étendu aux autres gaz que le biométhane de première génération. On parle du solaire ? Je vais...
Parlons de solaire. Je vais peut-être répondre, monsieur le député, à votre question de cas sur Oriseo, que je ne veux pas éluder, sachant les intérêts d'autres dans la région. Quelques éléments d'abord. Si nous considérons, c'est une hypothèse que je fais, que sur les 100 gigawatts, vous avez, monsieur le député, dans votre propos préliminaire, fait mention de cet objectif répété à Belfort par le président de la République de 100 gigawatts de solaire. Qu'une partie, disons 12%, pourrait venir de zones forestières. Qu'est-ce que cela représente, 12% de 100 gigawatts, 12 gigas, sur la forêt française ? La forêt française, c'est 17 millions de kilomètres carrés. Elle regagne 80 000 kilomètres carrés par an. Réaliser ces 12 gigawatts, c'est 0,035% de la forêt française pour faire la PPE solaire sur la forêt. Ça veut dire un mois de gain en un an, hein, un mois pour l'objectif à 2050. C'est ça, l'enjeu sur la forêt. Ça permet de fixer, de remettre les ordres de grandeur. Ensuite, nous ne parlons pas d'une forêt de Troncet ou du chêne de Saint-Louis. Nous parlons d'une forêt close, qui est une chasse à usage commercial. Ensuite, nous parlons d'une forêt qui est coupée tous les 27 à 28 ans, dans un cadre d'une industrie forestière intensive, ça devient de l'allumette. Ensuite, nous parlons d'une forêt qui n'a que très peu, voire pas de biodiversité. Je vous invite à aller regarder ce qui pousse sous une forêt de pins. Voilà. Ça permet de refixer quelques éléments sur un projet forestier dans une zone qui a été sinistrée cet été par des incendies. Zone que nous connaissons puisque nous exploitons dans la vaste forêt du sud-ouest français de pins des centaines d'hectares de panneaux solaires. Nous sommes bien au courant des phénomènes de remontée de nappes phréatiques. Nous savons nos obligations vis-à-vis du SDIS d'éloignement à 30 mètres des arbres et de débroussaillement à 50 mètres autour des panneaux. Nous sommes attentifs à tout ça. Nous en avons pu en débat dans le cadre du débat public et je ne veux pas prendre plus de temps parce que le temps m'est compté sur ce sujet, mais je ne voulais surtout pas l'éluder. Ensuite, il nous a été souvent posé la question de l'acceptabilité ou de l'appropriation locale des énergies renouvelables. Nous sommes un secteur qui devient fort heureusement mature. Nous étions, sans mauvais jeu de mots, relativement verts, relativement jeunes par rapport aux autres secteurs énergétiques. Nous avons 20 ans, si je puis dire. Eh bien, nous devenons matures. Et avec la maturité vient souvent le temps de la responsabilité. Et un acteur comme Engie, qui s'est engagé dans un label qui l'engage et le contraint, certifié par un bureau indépendant de notoriété publique qui a pignon sur rue, qui est Bureau Veritas, dont Claire vient de parler, nous avons pris tout un tas d'engagements. Et nous, et je pense pouvoir parler également au nom de la filière, ou de sa majorité, nous sommes tout à fait enclins et très volontaires à accompagner les retombées locales qui sont portées par le projet de loi. Elles méritent, et c'est une nouvelle zone d'ombre, monsieur le député, pour répondre à votre question, est-ce que ça va assez loin, qui mérite d'être clarifiée, et c'est ce que nous pouvons attendre, nous, les industriels, de vous, nos représentants, c'est quel régime de retombées locales et de participation des citoyens en co-visibilité limitrophes de nos projets. Il y a la première idée de l'article 18, la première idée qui est, et chez Engie nous soutenons, de réintroduire non seulement les collectivités qui n'ont pas été retirées, mais également les riverains, c'est-à-dire les citoyens, de l'intérêt sur facture énergétique, de leur proximité des parcs, des projets dont il est question. C'est la première des retombées. Elle est matérielle, tout aussi matérielle qu'est un projet au coin de son jardin. Deuxième retombée,
il y a le fond, idée qui a une petite année et qui mérite de se matérialiser, de se concrétiser. Reste à savoir de quels euros nous parlons, pour quels mégawatts. Mais là aussi, chez Engie, nous sommes tout à fait enclins à prendre nos responsabilités. Il y a également fonds qui pourraient être abondés, en tout cas pris en compte, c'est comme ça qu'est rédigé le texte de loi, mais pourquoi pas bonifié, c'est ce que nous poussons lors d'appels d'offres de la Commission de régulation d'énergie. Il y a ensuite l'idée de participer à un financement global, national, d'un fonds pour la biodiversité. Bref, il faudra articuler ces trois dispositifs et faire les comptes de l'addition pour que nos projets restent rentables. Mais chez Engie, nous soutenons toutes ces dispositions qui vont vraiment dans le bon sens. Ce n'est pas la seule forme, le seul levier d'acceptabilité des énergies renouvelables. Il y en a un autre, c'est la biodiversité. Laissez-moi vous donner un exemple, puisque je dirige une entreprise qui, toute la journée, exploite plus de 1200 éoliennes et des centaines de fermes solaires. Et en développe également beaucoup. Lorsque nous développons un projet renouvelable, qu'il soit solaire ou éolien, 20 à 25% du temps de développement, 7 à 8 ans pour une éolienne, 4 à 5 ans pour un panneau solaire, 20 à 25% du temps de développement et du budget de développement, c'est de la biodiversité. C'est 1500 pages sur le bureau du préfet consacrées au sujet. C'est un an d'études indépendantes. Nous ne prenons pas à la légère la biodiversité. Laissez-moi vous faire un petit zoom très bref sur l'acoustique. Nous avons la réglementation qui est peut-être l'une des plus strictes, et je m'en félicite, au monde. Et nous allons au-delà, bien souvent, chez Engie, de cette réglementation, en concertation avec les riverains, les DREAL, les mairies, et toutes les autorités, tous les avis qui peuvent être exprimés. Voilà, je pourrais m'apesantir longtemps, vous le sentez, sur le sujet, mais je voulais vous dire ô combien il est temps, et ce projet l'honore et en dessine l'horizon, de prendre tout notre compte de l'acceptabilité des énergies renouvelables. Est-ce que vous voulez maintenant que je réponde peut-être à une question qui m'a été posée, monsieur le député ? Je vous en remercie. Sur la part de nos investissements en France par rapport aux investissements mondiaux du groupe qui s'élève à 2 à 3 milliards pour aujourd'hui et pour les années à venir. Lorsque nous mettons juste l'éolien terrestre et le solaire dans la balance pour Engie en France, c'est plus de 400 millions d'euros par an qui sont investis. Quand j'y rajoute l'offshore, le biométhane, nous montons bien au-delà du demi-milliard. Voilà ce que représentent les investissements en France d'Engie. Donc Engie est un acteur mondial, mais très engagé sur la scène nationale. Il me semble que vous avez répondu à tous les orateurs de groupe. Je propose de passer aux questions. Oui, aucune difficulté, monsieur Lucel, vous êtes inscrit. Alors attendez, pardon, ça arrive. Dans un premier temps, on laisse la parole à Antoine Armand. Il est parti. À Damien Adam, il est parti. Eh bien, il va revenir. Je laisse donc la parole à Francis Dubois. Merci Monsieur le Président, chers collègues, Madame la Directrice Générale Adjointe, Messieurs les Directeurs. Dans un courrier adressé il y a une dizaine de jours aux énergéticiens, la ministre de la Transition énergétique, Madame Agnès Pannier-Runacher, demandait de libérer les capacités de production des barrages et éoliennes pour pallier l'indisponibilité prolongée des réacteurs nucléaires. On notera d'abord que les engagements d'EDF sur le calendrier de remise en service des centrales en maintenance risquent donc de ne pas être tenus. Par ce constat, après avoir freiné pendant des années la montée en charge des installations hydroélectriques, est-ce bien cohérent de demander dans l'urgence et sans concertation une augmentation des capacités maximales de production ?
En tant qu'acteur présent dans les Pyrénées et le Massif central, notamment sur la vallée de la Dordogne, vous êtes, j'imagine, assez intéressé par le renouvellement des concessions hydroélectriques réclamées par l'Union européenne, qui vous permettrait de réaliser des STEP, pompage-turbinage, comme le projet de Rodena en Corrèze, équivalent à une tranche nucléaire. Quelles seraient, selon vous, les évolutions législatives nécessaires pour permettre d'accroître la capacité de production de nos barrages à l'avenir ? Vous êtes également très présent dans le secteur de l'hydraulique au fil de l'eau, notamment dans la vallée du Rhône. La Commission de régulation de l'énergie avance régulièrement que le développement de la filière bute sur la difficulté de mettre en place un mécanisme de soutien public pertinent à cause de la forte variabilité du rendement des installations. Quel est votre avis sur le sujet ? Pour conclure, vous paraît-il nécessaire d'intégrer ces projets dans le projet de loi ENR et notamment les projets hydroélectriques ? Merci pour cette question de 2 minutes 30. La parole est à Vincent Descoeurs. Je vais utiliser les 30 secondes qui restent. Le projet de loi sur les ENR prenez la question une minute. Prévoit assez peu de dispositions concernant la géothermie, un secteur que vous avez investi notamment avec un projet innovant de géothermie marine à Marseille. Le gouvernement l'explique en affirmant qu'il n'y aurait pas de demande des acteurs de la filière, ce qui ne manque pas de nous interroger. À nos yeux, la géothermie représente un levier intéressant, mais malheureusement trop peu mobilisé. Alors si les gouvernements se sont engagés dans la rénovation thermique des bâtiments, qui doit permettre de faire des économies importantes sur le chauffage et principalement la consommation électrique, en revanche, la production d'eau chaude sanitaire repose en grande partie sur le gaz, d'où mes questions. N'y aurait-il pas un intérêt à considérer la géothermie comme une vraie alternative ? Que pensez-vous des perspectives de développement de cette filière ? Et avez-vous identifié des freins, qu'ils soient technologiques ou législatifs, à ce développement ? Merci, cher collègue. La parole est à Jean-Yves Bonny. Merci, Monsieur le Président. Ma question portera sur le développement de l'éolienne terrestre, qui fait partie de l'énergie renouvelable sur laquelle mise le plus le gouvernement. Sur l'éolienne terrestre, vous avez développé plusieurs actions pour tenter d'améliorer l'acceptabilité des projets, qui est le point faible de ces installations. Mais peut-on accepter vos propos concernant l'avis conforme des ABF ou des élus locaux, qui pour vous ne feront que retarder les projets ? Mais êtes-vous sûr qu'avec de tels propos, vous favoriserez cette acceptabilité ? D'autre part, vous souhaitez agir sur les factures des usagers qui seront situés dans un parc éolien. Qu'en sera-t-il des consommateurs situés dans un secteur où se trouvent déjà des barrages hydroélectriques ? Merci. Merci, cher collègue. La parole est à Gérard Le Seul. Merci, Président. Dans le cadre du débat énergétique, il est souvent évoqué la question de la souveraineté. Mais encore faut-il être en capacité de maîtriser l'ensemble des chaînes de production, les matières premières, la production industrielle. Alors comme groupe français, quelle est votre vision sur le sujet ? Est-ce que vous fixez par exemple des clauses de production locale française dans vos, on va dire dans vos productions, dans vos projets que vous financez ? Par ailleurs, ENGIE a réalisé un bénéfice net de 5 milliards d'euros au premier semestre, et donc la question a été posée tout à l'heure du partage de la valeur. Nous vous avions auditionné sur la question des super profits, mais comment organisez-vous, quel équilibre pouvez-vous proposer entre rentabilité des projets et répercussions économiques locales? Et puis par ailleurs, ne m'en veuillez pas, mais vous avez annoncé une prime de 1500 euros dans le cadre du partage. Si je multiplie par le nombre de salariés, on est à peu près à 250 millions d'euros. C'est loin des bénéfices engagés au premier semestre. Et donc, voilà, que pensez-vous qu'il conviendrait de faire pour avoir un meilleur équilibre entre territoire, salariés et dividendes? Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à Guy Bricout. Merci, Monsieur le Président. La méthanisation n'est finalement qu'assez peu traitée dans le projet de loi. Qu'en pensez-vous ? Plus largement, la mobilisation de l'ensemble des ENR est nécessaire pour réussir à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Y a-t-il encore des trous dans la raquette dans ce projet de loi ? Les ENR des ENR sont insuffisamment traités et mis en avant, l'hydroélectricité par exemple. Une question, pourquoi n'intervenez-vous pas dans la production de carburant aéronautique durable alors qu'il s'agit d'une voie de décarbonation reconnue du secteur aérien ? En matière aéronautique, il existe des solutions pour décarboner, mais les conditions, peut-être économiques, n'apparaissent pas mises en place pour le faire. Or, en France, depuis le 1er janvier 2022, il y a une obligation d'incorporation de 1% qui sera augmentée progressivement pour arriver à 6%. Étant précisé que l'agrocarburant ou biocarburant de première génération est interdit. Merci.
Merci, cher collègue. La parole est à Nicolas Rey. Merci, Monsieur le Président, Madame la Directrice, Messieurs les Directeurs. Deux questions qui ont un lien avec l'acceptabilité de l'éolien terrestre. La première, quels sont vos engagements en matière de remise en état des lieux après la phase d'exploitation, notamment le démantèlement des mâts? Et puis la deuxième question, que pensez-vous d'un fonds de compensation pour la perte de valeur de biens immobiliers qui sont à proximité des éoliennes terrestres? Merci, cher collègue. La parole est au député du Vaucluse, député Lovisolo. Merci, Monsieur le Président. Deux petites observations, puisque des questions courtes. La première sur la question de la méthanisation, qui est effectivement pas beaucoup traitée dans le cadre de ce projet de loi ENR, alors qu'il peut être une solution et pour les agriculteurs et pour les collectivités locales qui devront gérer les déchets à la source et trouver des solutions de proximité. Et une deuxième observation sur le rôle des ABF et le rôle des élus locaux, qui à mon avis doit rester central, parce que un projet d'éolien doit être accepté par la population, et comment on pourrait imposer à des citoyens qui habitent à proximité des normes ABF et un projet éolien en serait exonéré. Donc je crois que la question de l'acceptabilité et de la participation des citoyens à l'implantation de tel projet est une condition de la réussite de l'implantation. C'est pourquoi je crois beaucoup à une concertation départementale, à l'élaboration de schémas départementaux sur des sites qui seraient appropriés au développement de l'éolien. Et enfin, la parole est à Damien. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame, Messieurs, d'être avec nous cet après-midi. Moi, j'aurais deux questions sur deux thématiques en lien avec ce projet de loi énergie renouvelable. Le premier concerne les parkings qui devront être équipés d'ombrières. Donc, la loi, initialement, était à 2500 m² pour l'équipement. C'est passé à 80 places suite au débat au Sénat. Que pensez-vous de ce seuil? Et est-ce que Engie a prévu de se positionner sur ce segment de marché que nous sommes en train de créer avec cette loi pour équiper tous les parkings de notre pays à partir d'un certain seuil de ces ombrières photovoltaïques? Ma deuxième question concerne le sujet de l'autoconsommation en panneaux photovoltaïques. Est-ce que vous réalisez des équipements de citoyens pour ce faire? Est-ce que vous avez des éléments de contrainte qui vous paraissent importants à résoudre et à résorber pour faire en sorte de booster ce segment de marché photovoltaïque? Et est-ce que vous voyez des éléments dans la loi qu'il faudrait qu'on modifie ou des éléments sur lesquels on pourrait agir? J'ai notamment une question sur les tuiles solaires. Est-ce que ce n'est pas une voie pour notamment se passer de l'avis des ABF dans les zones patrimoniales? Je vous remercie. Merci. Et alors, attendez, Madame Cousin et enfin Madame Bolbois. Merci, Monsieur le Président. Monsieur, je vous ai écouté avec attention et vous semblez sous-entendre que la forêt des pins des Landes n'a que peu de valeur. Les exploitants qui vivent de cette filière seront heureux d'être ainsi laissés pour compte. Par ailleurs, n'envisagez-vous pas une revalorisation du prix de rachat pour les producteurs qui font l'effort d'investir dans le photovoltaïque ou le solaire? Merci. Et enfin, la parole est à Madame Bolbois. Merci, Monsieur le Président. Dans le projet de loi, on ne parle pas des CSR combustibles solides de récupération, qui représentent pourtant une forte potentialité d'énergie à la fois pour la chaleur et l'électricité, et alors qu'on enfouit encore beaucoup de déchets, beaucoup trop, en France. Que pensez-vous de cette sorte d'énergie? Je crois que tous les collègues ont pu s'exprimer. Je vous laisse le soin de répondre à ces multiples questions qui montrent l'intérêt des collègues. Alors, merci pour toutes ces questions. Effectivement, on en a beaucoup. On va essayer de ne pas en oublier. Alors d'abord, les questions sur le... Enfin, je vais essayer de les prendre dans l'ordre, hein, comme ça on va alterner avec William. Les questions sur le débridage, donc effectivement, dans le contexte actuel, hein, ça a été dit par Monsieur Dubois, dans le contexte actuel, nous sommes dans une situation dans laquelle le gouvernement nous a demandé d'examiner les possibilités de débridage pour nos installations, donc d'augmenter notre production à partir des capacités disponibles. Et la question que vous avez posée concerne à la fois l'éolien et l'hydraulique. Alors, sur l'hydraulique, on est en train de le regarder. Hein, pour les deux
les deux entités hydrauliques qui sont opérées par le groupe. Il s'agit de la CHEM d'une part, pour lesquelles les possibilités ne paraissent pas très importantes, et de la CNR d'autre part. C'est à l'étude, et vous l'avez mentionné, ce sont des sujets qui sont complexes, puisqu'il faut mettre en équilibre la gestion de l'eau locale, hein, qui obéit à toute une série d'usages, et pas seulement la production d'électricité, et la production d'électricité. Donc ce sont des sujets qui sont regardés localement, au cas par cas, pour voir quelles sont les capacités effectives d'augmentation de la production à partir des barrages que nous avons. Sur le sujet des éoliennes, William ? Sur notre parc d'éoliennes, on a étudié la question. Si on débridait et qu'on lançait l'éolienne à plein, on aurait 40 gigawattheures de plus. C'est déjà pas mal. Si on respecte juste la réglementation et qu'on ne va pas au-delà, comme je vous l'ai expliqué, nous gagnons 16 gigawattheures. C'est ça que nous sommes en train de discuter avec les préfectures de chaque département. On a déjà bien avancé dans le Morbihan et on démarre dans toutes celles où on est implanté. Alors, je prends les questions sur la géothermie. Parce qu'effectivement, on n'a pas parlé, vous aviez raison, on n'a pas parlé beaucoup de géothermie. Ça fait partie des solutions, bien sûr, de décarbonation. Alors, avec ensuite des réalités géographiques qu'il faut bien sûr prendre en compte. Et ça rejoint un point qui avait été fait tout à l'heure par l'un d'entre vous. Les réalités des territoires ne sont évidemment pas toutes les mêmes. Et tout l'objet pour nous et pour les élus des territoires, c'est bien sûr, territoire par territoire, de réussir à déterminer quelle est la bonne manière de décarboner les énergies de manière adaptée au territoire. Donc la géothermie, c'est un bon exemple. Il y a des géographies qui sont très propices en France. C'est le cas notamment de l'Île-de-France. Mais c'est inégalement réparti sur le territoire. Nous développons à chaque fois que nous pouvons des projets de géothermie, de manière d'ailleurs, notamment en Île-de-France, pour un certain nombre de collectivités. Ça permet à chaque fois de chauffer des milliers de logements. Donc ce sont des projets qui sont effectivement très intéressants lorsque le terrain est propice. Et pour l'anecdote, nous déployons aussi une géothermie pour notre futur siège, puisque nous sommes en train de construire le futur siège d'Engie qui sera à La Garenne-Colombes. À La Garenne-Colombes, nous aurons à la fois du photovoltaïque, bien sûr, et aussi de la géothermie pour alimenter le bâtiment. Donc, bien sûr, une solution importante. Et donc à développer, ce qui ne veut pas dire qu'il y ait forcément besoin d'un ancrage législatif particulier, hein, je crois que c'était la question, mais ça fait partie de la panoplie importante pour la décarbonation. Alors, ouais. Pour répondre à monsieur le député Nicolas Rey, sur la remise en état des lieux. Alors, nous avons implanté la première éolienne de France chez Engie en 1991 à Port-la-Nouvelle dans l'Aude et nous l'avons démantelée. Nous en avons démantelé également à Plouarzel en Bretagne, donc nous commençons à nous faire la dent, si je puis dire, sur le sujet. Nous avons une obligation légale qui est que lorsqu'une éolienne fait jusqu'à 2 MW de puissance, la majorité des vieilles éoliennes à démanteler, nous avons déposé en garantie à la Caisse des dépôts et consignations 50 000 euros. Et l'obligation légale nous dit que pour tout mégawatt supérieur, 3, 4, 5, ça sera 10 000 euros de plus à chaque fois, chaque mégawatt gagné. Nous avons commencer à excaver totalement tout le socle béton de toutes les éoliennes que nous avons démantelées, qui est 100% recyclable, ce socle béton. Une éolienne est à 96% recyclable. Il nous reste 4-5% que nous valorisons, c'est la résine de la pale, que nous valorisons en chaleur thermique, et ça donne l'objet de votre question. Et nous avons démarré, je vous invite à taper sur Google ça, le projet Zebra avec Arkema, avec Suez, etc., pour arriver à la première pale 100% recyclable. Et ça devrait arriver au printemps 2023, de manière industrielle. Nous avons déjà réussi, là, il y a quelques semaines, à sortir ce démonstrateur de l'usine.
Ensuite, vous nous avez également posé la question du fonds de compensation de perte de valeur immobilière. C'est un sujet qui est relativement émergent ces dernières années, qui mérite d'être regardé avec beaucoup de soin. Là, il faut regarder les faits. Il y a eu une étude de l'ADEME, qu'on ne peut pas taxer de dépendance, qui date de 2020, qui, je crois, a été actualisée, je vous dis ça de tête, en début d'année ou fin 2021 ou début 2022, et qui dit qu'il n'y a pas de moins-value immobilière avérée. Je vous dis ce que dit l'étude, hein. Après, je ne conteste pas qu'ici et là. Donc, c'est la même chose que ce que disent les autorités de santé sur les nuisances aux infrasons. Donc, c'est des sujets que nous regardons avec beaucoup d'attention, mais qui sont encore très peu documentés et qui sont à l'étude, et pourquoi pas. Alors, je réponds aux questions qui ont été posées, qui sont des questions importantes sur les sujets de souveraineté et aussi la question de partage des bénéfices. Alors, sur la souveraineté, je pense que je parlais de tirer les enseignements de la crise. Je pense qu'un des enseignements de la crise que nous vivons, c'est le risque des dépendances. On l'a vécu évidemment en matière énergétique. Donc, nous sommes évidemment, et on l'a vécu en matière énergétique, on l'avait vécu avant la crise énergétique actuelle. On l'avait vécu en particulier en 2020, lorsque, avec le Covid, nous avons pris pleinement conscience du fait que, nous le savions, les chaînes d'approvisionnement étaient mondiales. Et nous avons, et c'était les premières manifestations du Covid, c'était des composantes d'éoliennes qui, produites en Chine, commençaient à arriver en retard. Voilà. Donc les chaînes d'approvisionnement aujourd'hui, elles sont mondiales, c'est une réalité. Alors sur certaines énergies renouvelables, et ça a été dit tout à l'heure, sur en particulier l'éolien en mer, il y a des unités de production d'éoliennes en mer qui sont localisées en France, et on peut bien sûr s'en réjouir. C'est moins le cas sur d'autres énergies, et vous avez raison de le dire, d'autres énergies électriques renouvelables. Ça pose forcément question, et ça pose question pour l'industriel que nous sommes, du point de vue aussi de la robustesse des chaînes de production en cas de choc géopolitique en particulier. Donc c'est un point auquel nous sommes vigilants. Aujourd'hui, c'est un point sur lequel la réponse doit être une réponse européenne. C'est à l'échelle européenne qu'il faut se doter de capacités à prendre en compte ce besoin de robustesse et chercher à encourager de la relocalisation d'un certain nombre d'activités sur le territoire européen. Alors, pour répondre très directement, aller au-delà et s'imposer l'usage de composantes nationales si les autres ne le font pas, dans un marché qui est très concurrentiel, bah, évidemment, ça ne fonctionne pas. Ça veut dire que si nous allions dans cette direction, nous ne serions plus en capacité de gagner les projets. Donc, c'est vraiment un mouvement qui doit être au niveau européen et qui doit permettre ensuite que l'ensemble des industriels concernés puissent, quelque part, sur un pied d'égalité, avoir cette utilisation de composantes qui sont des composantes davantage produites sur nos territoires. Je peux compléter ça. William meurt d'envie de compléter ça. Donc je vais le laisser faire, puis on va passer aux bénéfices. Non, peut-être, monsieur le député, vous donner quelques chiffres sur l'éolien. Plus de 90% de la filière est européenne. Et nous n'utilisons pas de machines chinoises chez Engie en France, premièrement. Sur le solaire, notre confrère énergétique que vous avez interrogé il y a quelque temps vous a dit que 50% de la valeur ajoutée était française. C'est le cas. Mais sur les 2,6 gigas qui ont été mis en service l'année dernière, 2,6 gigas, la capacité de production de modules en France est de 0,5 giga, 500 mégas. Voltec, Photowatt, que vous connaissez. Il faut juste savoir si on doit rattraper notre retard ou plutôt parier sur le coup d'après. Dans un secteur, le module et le silicium, qui est extrêmement concurrentiel et très bataillé.
merci William. Sur la question de la crise et des bénéfices, et quelque part la question qui nous est posée, c'est la question de la responsabilité de l'entreprise vis-à-vis de l'ensemble de ses parties prenantes. Alors d'abord un mot pour se rappeler quand même que que la première des responsabilités d'une entreprise comme la nôtre, c'est d'assurer la sécurité d'approvisionnement. Ça peut paraître une évidence. Rappelons-nous le choc terrible de l'invasion de l'Ukraine en février dernier. Rappelons-nous que nous étions dans une situation dans laquelle la dépendance de la France au gaz russe, c'était 17%. Et mettons-nous bien à l'esprit qu'il a fallu quelque part réussir à trouver ces volumes de gaz pour remplacer ce gaz russe dont il est apparu avec le temps que son approvisionnement était en train de se réduire. Donc, important quand même de remettre en perspective ce qui a été fait par l'entreprise à cette occasion-là. Alors, une fois qu'on a dit ça, l'entreprise, effectivement, a réussi, lors des trois premiers trimestres, puisque nous venons de rendre public les résultats du troisième trimestre, à dégager des résultats qui sont des résultats très satisfaisants. Pourquoi ? Parce que quelque part, nous avons su, face à ce contexte qui était un contexte complètement fou, assurer, et c'est la première raison de ces résultats, assurer la disponibilité de notre approvisionnement en gaz, de nos centrales à gaz qui ont été appelées beaucoup plus sur le réseau qu'en temps normal compte tenu de l'indisponibilité nucléaire, de nos centrales aussi nucléaires en Belgique, ça, c'est aussi une contribution importante aux résultats en période de prix élevé. Et puis, effectivement, en période de prix élevé sur les marchés, les activités que nous avons à marge constante, une activité d'achat et de vente sur le marché est une activité qui dégage davantage de résultats. Ceci dans un contexte dans lequel nous ne sommes pas, je le dis parce que c'est important à avoir en tête, nous ne sommes pas producteurs, nous ne sommes pas en haut de la chaîne, nous ne sommes pas dans l'exploration et la production de gaz. Donc nous n'avons pas une espèce de rente gazière, nous ne sommes pas dans une situation dans laquelle nous exploiterions, nous produirions du gaz pas cher et nous le vendrions cher. Le gaz qu'on achète et qu'on vend, on l'achète à prix de marché, on le vend à prix de marché. Donc nous avons dégagé ces résultats. Bien évidemment, pour une entreprise comme Engie, nous sommes posé la question et nous avons souhaité, et nous continuons à le faire, d'agir dans ce contexte très particulier en responsabilité. Responsabilité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire d'abord responsabilité vis-à-vis de nos clients. La première chose à laquelle nous avons pensé, nous l'avons annoncé en juillet, c'est de venir en soutien des clients qui étaient les plus vulnérables. Alors, les particuliers sont soutenus par des mécanismes de bouclier tarifaire, et vous les avez, mesdames et messieurs les députés, votés. Vous aurez à nouveau l'occasion de les examiner dans le cadre du projet de loi de finances. Pour autant, nous avons le sentiment que pour les plus vulnérables de nos clients, et en particulier pour les bénéficiaires du chèque énergie, être dans un environnement qui est très inflationniste, même si les boucliers tarifaires protègent des hausses des prix de l'énergie, il reste que l'ensemble des autres prix dans l'économie ont accéléré. Donc le panier de consommation s'est renchéri. Dans une situation comme celle-là, nous avons souhaité faire inversement particulier une réduction de 100 euros, qui a d'ailleurs été effective en novembre, donc maintenant, pour l'ensemble des bénéficiaires du chèque énergie en France, qui étaient nos clients. C'était une mesure en responsabilité et vraiment d'attention particulière à ceux qui souffraient le plus de ce contexte inflationniste. Deuxième chose que nous avons faite, vis-à-vis en particulier des entreprises de petites et moyennes, nous avons mis en place un fonds, là aussi l'été dernier, un fonds qui permet, pour des entreprises qui ont du mal à s'alimenter en électricité ou en gaz, enfin qui ont du mal à s'approvisionner, d'être dispensé d'aller chercher des garanties supplémentaires. Nous prenons une part du risque sur nous dès lors que ces entreprises sont des entreprises particulièrement en difficulté et identifiées comme telles, par exemple faisant l'objet d'une procédure de type CIRI. Donc, une attention particulière, sécurité d'approvisionnement, c'est notre première responsabilité. Deux, une attention particulière parmi nos clients à ceux qui sont dans les situations les plus difficiles, les bénéficiaires du chèque énergie d'une part et les entreprises de taille petite et moyenne.
J'ajoute, troisième point, que nous avons évidemment aussi joué un rôle, je dirais à l'échelle nationale, qui va au-delà de la sécurité d'approvisionnement, puisque pour un certain nombre de dispositifs, et je pense en particulier au bouclier tarifaire pour le gaz, c'est un dispositif dans lequel l'entreprise fait l'avance de trésorerie. Ça représente de l'ordre de 2 milliards d'euros pour l'entreprise sur l'année 2022, l'avance de trésorerie à l'État qui, in fine, nous restituera la différence, puisque ce que nous faisons, comme je le disais tout à l'heure, c'est que nous achetons le gaz à prix de marché et nous le vendons avec le bouclier à un prix qui est très en dessous du prix de marché. C'est nous, à ce stade, qui prenons l'écart hein, entre les deux et qui le prenons sur notre trésorerie. Et ce, dans un contexte, évidemment, où, comme vous pouvez l'avoir en tête, hein, la trésorerie est très sollicitée quand, à la fois, nous avons dû stocker plus de gaz plus vite et à des prix beaucoup plus élevés. J'ajoute, hein, et je sais que vous y êtes sensible, évidemment, que quand on regarde ce qui s'est passé du côté d'autres énergéticiens, je pense en particulier à un père allemand qui s'appelle Uniper, d'autres énergéticiens dans des conditions de crise très forte et de dépendance, dans leur cas plus forte encore évidemment au gaz russe, mais se sont retrouvés en grande difficulté, ce qui a nécessité l'injection de fonds publics de 40 milliards d'euros. 40 milliards d'euros. Je pense que vous tous qui votez le budget, je pense que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. On est en train de parler d'un budget d'un très gros ministère. D'accord ? Donc, on a été, de ce point de vue-là, dans une situation financière qui est bonne, et on peut s'en réjouir. Nous n'avons pas demandé d'aide et nous ne demanderons pas d'aide au gouvernement. Bien au contraire, nous pouvons contribuer à des dispositifs. Je crois qu'il faut s'en réjouir. Dernier point, nos salariés, puisque la question de la prime a été soulevée. La prime, c'est une partie, bien évidemment, de la manière d'associer nos salariés aux résultats de l'entreprise. La première partie de cette association, ce sont évidemment les négociations salariales, l'intéressement, la participation. Et là, on est en train de parler d'un troisième étage de la fusée, qui est cette prime exceptionnelle que nous avons souhaité donner à tous nos salariés, quel que soit leur niveau de revenu, en France et ailleurs. De manière uniforme, nous avons décidé, et nous l'avons annoncé il y a quelques jours, de verser une prime de 1500 euros à l'ensemble des salariés du groupe. C'est un montant qui est substantiel, hein, et c'est un montant qui a été d'ailleurs apprécié comme tel par l'ensemble des salariés. Et évidemment, c'est un montant, et c'est pour ça que nous avons souhaité en faire un montant fixe. C'est un montant qui est d'autant plus important que votre salaire n'est pas très élevé. Donc nous n'avons pas souhaité faire une prime proportionnelle au salaire. Nous avons souhaité avoir une prime uniforme. Ça nous a paru la bonne manière de reconnaître l'implication de chacun des salariés qui, en effet, est derrière ces résultats. Voilà. Donc, bien sûr, hein, donc vraiment merci pour votre question, parce que nous partageons l'importance d'associer l'ensemble de nos parties prenantes et les salariés en particulier dans cette période. Et puis, dernière chose, et je ne serai pas complète si je ne mentionnais pas, dans nos parties prenantes, nous avons aussi les actionnaires du groupe. Eux aussi, bien sûr, seront associés. Nous avons, dans le groupe Engie, plus de 500 000 particuliers qui sont actionnaires, essentiellement en France, dans une moindre mesure en Belgique. Ce sont là aussi des gens, des personnes hein, qui comptent sur ce placement aussi pour contribuer à leurs revenus. Donc il est normal d'associer l'ensemble de nos parties prenantes, et nous avons souhaité le faire de manière forte et visible avec nos salariés. Merci. Je vais prendre la question sur les parkings, parce qu'elle est intéressante. Je vous en remercie, monsieur le député. Non, mais parce qu'on en fait rarement mention. Et en fait, dans cette loi, il y a quelque chose qui est remarquable. C'est le dégagement d'un effet volume sur le solaire. En zone montagne, en zone littorale, le long des chemins de fer, le long des autoroutes, sur les parkings de 2500 m² à 1000 m², 80 places, comme vous l'avez dit. Est-ce que nous nous y intéressons ? Oui, nous n'avons pas attendu le projet de loi pour nous y intéresser. C'est une partie importante de notre travail.
très souvent en autoconsommation, qui est un modèle particulièrement vertueux. J'en profite aussi pour dire que le projet de loi fait bien de dresser un cadre pour la puissance publique sur les fameux PPA, les contrats d'approvisionnement et d'achat d'électricité à long terme entre un fournisseur et un client final, industriel et cette fois public, PPA qui peut être aussi local quand on parle d'énergie renouvelable. Donc il y a tout un tas de nouveaux modèles économiques, l'expression avait été citée tout à l'heure, qui sont en train de se dégager. Vous avez aussi parlé des tuiles solaires. Je pense qu'il ne faut pas mettre en concurrence, et ce n'est pas ce que vous faisiez dans votre question, mais c'est important aussi de dire qu'il y a des relais d'innovation, de recherche qui sont en train de trouver leur marché et qui ne chasseront pas le module de 20 à 25 kg par mètre carré posé qu'on connaît, classique au silicium, polycristallin ou monocristallin. Il y a les tuiles de fabrication française, mais pas que. Il y a les films souples, avec un fabricant allemand qui s'appelle Eliatec, aussi un fabricant français qui s'appelle Armor en Bretagne vers Nantes avec son film Masca, autant de nouveaux marchés sur du film souple, de la toiture, de la voiture, des objets, du textile, du verre qui peuvent être très prometteurs pour le développement du solaire. Ensuite, vous m'avez posé une question. Vous avez posé une question sur comment est-ce qu'on peut accélérer l'acceptabilité. Je n'ai pas été complet et pardonnez-moi tout à l'heure. J'aurais voulu vous parler d'une autre bonne chose qui est incorporée dans ce projet de loi, qui est l'obligation de proposer un financement citoyen, participatif, collectif, dans le cas des appels d'offres, donc de chaque projet soumis aux appels d'offres de la Commission de régulation de l'énergie, c'est une excellente mesure vue d'Engie. Nous le faisons déjà beaucoup. En ce moment, moi j'ai plus de 20 financements participatifs en cours, donc un peu partout sur le territoire, dans des zones plus ou moins faciles, parce que plus ou moins denses. Et je ne serai pas complet, et je m'arrête là ensuite, si je ne devais pas parler, à côté du financement participatif, c'est-à-dire du financement par les citoyens comme vous et moi, du financement du co-développement, du co-investissement avec des collectivités, des SEM, des AREC, des agences régionales d'énergie climat, etc., avec lesquelles nous développons de plus en plus et l'éolien et le solaire. Il est, je vous donne, c'est un exemple, mais il est maintenant, comment dire, de plus en plus courant dans nombre de régions de ne pouvoir développer un projet éolien seul. Et c'est très bien, c'est comme ça et c'est très bien. Et ça, c'est des leviers qui favorisent l'appropriation par le territoire. Alors, deux questions auxquelles on n'a pas encore répondu. Alors, je crois que votre collègue qui nous avait interpellé sur les forêts de pins est parti. Non ? Il y a madame. Ah oui, c'est... Pardon, Madame Cousin, exact. Pardon, je pensais que vous étiez de l'autre côté. Alors, qu'on se comprenne bien sur ce sujet. Non. Grave erreur. Donc, qu'on se comprenne bien sur les forêts de pins. Les forêts de pins, comme les autres forêts, font partie, évidemment, de la diversité de nos paysages. Simplement, ce que nous sommes en train de dire... Dans le cas d'Oriseo, puisque c'est dans ce contexte que ça a été discuté, et ce qu'a dit très très bien William, c'est qu'on est en train de parler d'une forêt qui est une forêt d'exploitation. On n'est pas en train de parler d'un lieu qui est un lieu de promenade ouvert au public. Moi, j'y suis allée voir ce terrain, parce que je trouve que c'est important de voir où on installe nos projets. C'est alors d'abord une commune, Socats, qui est une commune qui est extrêmement boisé, hein, Socat, c'est-à-dire qu'on est en train de faire baisser un peu la surface de boisement du territoire de la commune, mais le territoire est immense. Il y aura encore quelque chose comme 75% de mémoire du territoire de la commune qui sera boisé une fois que le parc solaire sera installé sur cette parcelle. Donc c'est une commune qui dispose d'un immense territoire extrêmement boisé, première chose. Deuxième chose, la parcelle dont on parle, il faut se figurer, je pense que vous avez tous en tête ce que c'est qu'un grand terrain qui est un terrain dévolu à la chasse et à l'exploitation forestière.
il est fermé au public, il est grillagé. Hein, donc ce n'est pas un endroit où les familles viennent pique-niquer le week-end. C'est un endroit où il y a des chasses pour les personnes qui payent les chasses. Et c'est par ailleurs un endroit où on exploite effectivement des pins avec des coupes claires régulières. Donc ce que vous avez, ce n'est pas une belle forêt continue, ce sont des parcelles avec des pins d'âge varié qui n'ont pas, je dirais, une beauté particulière. Donc la forêt, c'est très beau. Et d'ailleurs, et c'est important en termes, et c'est important bien sûr d'avoir des projets, et William l'a dit, pleinement respectueux de la biodiversité. Dans ce cadre-là, on est en train de parler d'une forêt très particulière, et nous avons un engagement de reboisement. Et cet engagement de reboisement, il porte sur le double de la surface qui va être coupée. Donc on sera in fine dans une situation dans laquelle, grâce au reboisement, on aura en fait accru la surface, contribuer à l'accroissement de la surface des forêts en France. Voilà. Donc il faut, je crois que c'est important de remettre les choses en perspective. Hein. Les forêts sont importantes, nous y sommes attachés, et d'ailleurs, on va plus que reboiser cette surface, on va reboiser deux fois plus. Alors, sur un tout autre sujet, la question des carburants aéronautiques. Oui, c'était votre question, Monsieur Bricou. Pourquoi est-ce qu'on est ou pas sur les carburants aéronautiques ? Alors, les carburants, d'abord, tout à fait d'accord avec vous hein, sur l'importance des carburants aéronautiques soutenables, hein, les Sustainable Aviation Fuel, pour l'aéronautique, ce qui font d'ailleurs l'objet d'une réglementation européenne. Donc, on est dans une situation qui va d'ailleurs tirer le développement du marché, hein, dans laquelle les avions en particulier vont être amenés à utiliser des carburants durables. Ces carburants d'origine durable, c'est quoi ? Ben, c'est en particulier la famille des e-fuel. Alors, pardon d'être un tout petit peu technique, mais je pense que dans la commission du développement durable, vous connaissez les e-fuel. Hein, très bien. Donc, les e-fuel, c'est quoi ? C'est des molécules qui sont obtenues à partir d'hydrogène bas carbone, hein, et par recomposition avec du CO2. Pour faire court, vous reconstituez des molécules qui sont des molécules dans lesquelles il y a du carbone, de l'hydrogène, et qui sont des e-fuel. Voilà. Donc vous avez du e-kérosène, par exemple, qui sera produit demain à partir d'hydrogène renouvelable. Alors, c'est une activité dans laquelle, à laquelle nous sommes très intéressés. Donc d'abord, nous investissons dans des start-up hein, qui sont actives sur des sujets qui contribuent à ce développement des e-fuel. Et puis, j'ai parlé tout à l'heure du projet kérosène, qui est un projet au Havre. C'est un projet dans lequel nous associons à des spécialistes de la production des carburants, parce que ça n'est pas notre métier. Nous sommes des énergéticiens, nous ne sommes pas des spécialistes de la fabrication des carburants. Donc nous nous associons à des spécialistes de Sasol en l'occurrence, et nous allons apporter de l'hydrogène bas carbone dans ce projet du CO2. Puisque l'idée, c'est de produire d'un côté du biométhane de deuxième génération avec des acquéreurs potentiels de ce biométhane de deuxième génération qui sont CMA-CGM et Air France. Donc ce sera aussi des carburants soutenables qui ne sont pas des biocarburants alimentaires, hein, des carburants soutenables renouvelables. Donc carburants de deuxième génération pour le maritime et pour l'aviation qui seront du biométhane 2G avec le processus Gaïa. Et par ailleurs, le carbone produit dans une chaîne de production dans laquelle on apportera l'hydrogène renouvelable et avec un spécialiste de la fabrication des carburants qui fera du carburant soutenable. Voilà. Donc c'est un marché, vous avez raison de le souligner, parce qu'on a parlé tout à l'heure de l'hydrogène. Voilà, c'est un des marchés qui va tirer demain le développement de l'hydrogène, en particulier en Europe. C'est bien le secteur des e-fuel, et c'est pour ça que nous nous y intéressons beaucoup. Chers collègues, il me semble que vous avez répondu à toutes les questions. Si je ne m'abuse, à moins que vous ayez encore des éléments de réponse. Je crois qu'on a fait le tour. Il me semble aussi. Est-ce que ça suscite des éléments ? Je crois que Madame Brulbois souhaite intervenir. Sur le CSR. Le CSR, alors c'est aussi un sujet salamandre. Hein, donc c'est aussi le CSR, là aussi je parle devant, je parle devant les spécialistes que vous êtes, hein, de la commission du développement durable. Donc CSR, c'est quoi ? Ce sont les combustibles solides de récupération, et vous avez raison de souligner que c'est un gros enjeu
en termes de préservation de l'environnement, puisque aujourd'hui, la manière dont nous nous débarrassons de ces déchets peut poser question. Et il y a certainement une manière de valoriser ces déchets qui peut être à la fois plus créatrice de valeur et qui peut être aussi mieux préservatrice de l'environnement. Donc, un des projets que nous avons, c'est ce projet de pyrogazéification qui s'appelle Salamandre, qui est un projet du Havre dont j'ai déjà parlé. C'est un projet qui permettra notamment d'utiliser comme intrant dans le processus de production ces combustibles solides de récupération et de les transformer en méthane. Voilà, par pyrogazéification. Donc vous avez raison, c'est quelque part, c'est une manière de tirer l'énergie qui existe dans ces solides de récupération et aussi de s'en débarrasser de manière plus respectueuse de l'environnement. Merci pour toutes ces réponses. Je crois que nous sommes prêts pour analyser la semaine prochaine, pour étudier la semaine prochaine le projet de loi sur l'accélération de la production d'énergie renouvelable, ce qui me permet de vous dire qu'on se retrouvera la semaine prochaine à 16h pour le début de la discussion commune, dès lundi 21 novembre. Merci beaucoup, vous clôturez toute une série d'auditions déployées dans cette commission. Et donc, chers collègues, préparons-nous pour étudier ce texte de loi dès lundi. Merci à vous. Merci, Monsieur le Président, et merci pour votre grand intérêt. Merci beaucoup.